J'ai dû rentrer comme docker en. En 61, que j'ai rentré, que je suis passé professionnel. Parce qu'il y avait les occasionnels et les professionnels. Ils touchaient la même paye, pareil. Ils touchaient le boni, pareil que le cas professionnel. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Quand il n'y avait pas de travail, nous, on était payés. Et l'occasionnel, il n'était pas payé. La seule différence qu'il y avait. Le matin, j'allais pour avant 8 heures pour voir s'il y avait du travail et tout le machin. Quand il n'y avait pas de travail, ben, on revenait. Alors on l'avait pointé, comme quoi qu'on était bienvenu sur le port. Et après, ben, on partait. Déchargé, chargé de tout. Le sucre, le charbon, le phosphate. Et puis autrement, ben, il y avait les bananes, les oranges, il y avait tous les fruits, pareil. Moi, quand j'ai commencé, c'était dur, hein. Quand on déchargeait les bateaux de sucre, on montait sur un bateau de sucre, pour vider une cale, on mettait 15 jours. C'était des sacs de sucre. C'était dur comme le pavé. J'ai vu mes épaules, moi, à 100, moi. Ah, ben, c'était pas de la rigolade. On se débrouillait pour se mettre des machins sur les épaules. Je rentrais à 100, ma femme me soignait. Le lendemain, ben, c'était pareil. Et à la finale, ben, il n'y a plus besoin de rien mettre parce qu'on aurait bien cuit là. Ben, par le sucre, ça brûlait la peau. Ben, la journée, quand elle était finie, elle était bien gagnée. Hein. Sur le quai, quand j'ai commencé à travailler, il y avait des grues à vapeur, des petites grues. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y en avait qui étaient encore là. Alors il y avait des anciens qui ont reconnu les grues à vapeur, parce que quand ils déchargeaient les bateaux, ils se mettaient côte à côte, la marchandise du bateau qui était plus loin allait sur le bateau qui était auprès du quai, puis l'autre, le quai, ben, les grues à vapeur, prenaient la marchandise, ils la remettaient au quai. C'était un va-et-vient. Comme le sucre, dans le temps, ben, le sucre, il arrivait avec un saccage. Bon, il est revenu en vrac. Bon, déjà, ça a diminué beaucoup du personnel, automatiquement. Puis bien des choses qui avaient changé. Maintenant, comme le docker à Nantes, il y en a pas tant que ça, hein, maintenant. Hein.